Salut les aventuriers du web, ici Aijin et bienvenue sur At Adventure. On se retrouve pour du Astronir et je suis accompagné du grand, du magnifique, de l'astronisant astronirien Turnip. Ouais, salut à tous les copains, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Ouais, tout pareil. Donc je vais refaire une bat cave. Hein les amis, on va faire une deuxième bat cave. Plus profonde que la première. Voilà, je vais faire une jolie bat cave. Parce que j'ai appris, à mes dépens, qu'on peut plaisanter avec beaucoup de choses, mais l'architecture d'Astronir, well, Nazim, tu rigoles pas là-dessus. C'est sérieux business. Là, tu fais pas le malin, là, tu fais gaffe à ce que tu fais. Bon, you know what, je vais essayer d'aller choper des compos, parce que c'est la Zermie. Mais après, à la limite, on peut s'amuser à faire des balises, à remonter dans notre buggy, et puis à refaire de l'explo. Hein. Notre buggy, tu sais où il est, notre buggy? Bah on peut prendre des balises et commencer à aller chercher notre buggy. Et puis espérer voir si ça vibre quand on s'approche du buggy, peut-être, non? Bah oui, peut-être. Je vais tenter de construire un truc de stockage, voir l'intérêt que ça a vraiment, comparé à ma poubelle. Donc c'est décidé, le buggy, t'as décidé de le laisser mourir au fond. Bah, il faut qu'on aille le chercher, mais j'ai pas la moindre idée dans quelle direction il peut être, donc ça va... Mais on met des balises, telles des petits poussets. C'est de la merde. C'est de la merde, le truc de stockage, en fait. Mais c'est grave de la merde, en fait. Ah mais oui, mais genre rien. Mais rien du tout. On peut mettre 8 trucs en fait. Voilà. Waouh. Très bien. Eh, t'as bien fait de participer toi, hein. Très très bien. Ah putain la vache. Non, tu veux pas que ce soit ça notre objectif? On se prépare des balises et puis on va... Bah il faut du composite dans ce cas. Ah bah voilà. Et pour la bonne nouvelle, j'ai utilisé les deux derniers qu'on avait pour construire le stockage, qui est d'une utilité tout à fait relative. J'ai tellement envie de te casser la gueule. Regarde, notre éolienne aussi. Tu vois, j'ai de bonnes idées pour construire des trucs qui servent à rien. Notre éolienne. C'est mon idée aussi. Et regarde comme elle marche bien. Putain, c'est vrai. Bon, je vais aller chercher du composite. Hein, ah putain. Bah ouais, bah allons chercher du composite. Composite, hein. On en a ras le cul partout, donc théoriquement, on doit en trouver facilement. Ah, en fait, non. C'est faux. Non. C'est l'inverse. Sur cette planète-là, on a du mal à trouver. Non, ou c'est l'inverse? Non, c'est de la résine qu'on galère à trouver. Oui, c'est la résine qu'on galère à trouver. Quoique je dis ça et j'en vois plein au-dessus, en fait. Ah bah prends-le. Bah, je crois. Prends-le. Ah non, ce sont juste des petites fleurs. C'est ça. Ah, il y a eu une petite mise à jour en fait récemment. Ah oui? Et alors? Oui, mais je sais plus ce que ça faisait. Ah d'accord. C'était l'information du jour, très intéressant. C'était le flash info. Et je planais. Bon, je vais m'enfoncer dans cette grotte. J'ai rien à planer du tout là, mes couilles même. Sauf que j'ai plus du tout de rallonge en fait. Oui. Et pour info les amis, c'est pas Alt, c'est CTRL hein, pour aplanir. Le gars, il est la mauvaise. Et toc. Vous critiquez ma putain de bat cave. Mais vous donnez des conseils les mecs. Mais ouais. Vous commencez à regarder un petit peu la poudre qu'on a dans son œil avant de critiquer. Ah, faudrait peut-être balayer devant ses chiottes d'abord, hein. Non, blague à part, je remercie les gens qui m'ont donné des petits conseils sur, sur comment terraformer, quoi. C'était très sympa de leur part. Non, mais c'est vrai, là, c'est... Ouais, c'est très sympa. mais putain, mais lâche-moi. Bah, attends, je fais une recherche, du coup. Ah, merde, on m'a dit aussi que, a priori, c'est chaque truc de nouvelle couleur... Oula, je refais ma phrase, ça veut dire. Chaque module de truc de recherche... d'une première couleur débloque un truc. Voilà, de recherche. Tu veux pas encore la refaire? Bon, les boules de recherche, ça a des couleurs diverses et variées. Oui. Eh bien, chaque première fois qu'on fait une recherche sur une couleur d'un type, bah, ça débloque hein, un nouveau truc à construire. Ah et bah. Pas des composants. Ah voilà, là, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, mais c'est mignon. Mais on se rapproche. T'as pas embarqué un lithium avec toi par le plus grand des hasards? Je te rappelle que moi je suis mort à cause d'un manque d'oxygène à la con, parce que j'arrivais pas à me raccorder. Mais putain, j'étais persuadé qu'on avait un deuxième lithium, parce que je viens d'en découvrir un, et ça aurait été cool, on aurait pu faire une batterie. Eh, si ça, ça aurait pas été génial. Merde, mais il est où le lithium alors du coup? Putain, fais chier. Ah, c'est une bonne question. Ah. Bon, ce truc de stockage, il me déprime vraiment, franchement. Ça sert vraiment à rien ce truc. Quel intérêt? Eh, surtout, oui, mais ça prend de la place. Tu peux mettre 8 machins, autant les poser par terre. Bah, ou alors, ça. Peut-être que ça disparaît ou non? Bah, non. Bah, on a bien vu que non, remarque. Bah, oui, c'est ce que j'ai à te dire, mon loulou. On a bien vu que non, non, non. Non, 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 non. Faut que je me re-raccorde, sinon je vais encore mourir. D'ailleurs, j'ai une petite appréhension, hein, parce que. Vous avez pas vu dans l'épisode précédent, mais ah, en vrai.
En vrai, j'étais à ça. Bah ça y est, il me le refait. Regardez, je peux c'est pas m'accorder. C'est moi, j'ai désactivé, j'en ai pété un. Ah putain. Ah putain, mais tu m'as fait mais putain, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette équipe de merde? Ah mais encore un truc de recherche qu'on avait pas pris là. Celui-là, il est bleu. Oui, je l'ai découvert tout à l'heure, mais je savais pas si on l'avait déjà fait. Alors dans le doute, je l'ai pas pris. Je sais, bah, je vais mettre, je crois qu'il est bleu et orange et il me semble pas que qu'on ait fait des recherches sur ça. Ça m'aurait marqué. Il y a plein de plantes là. Une petite couille bleue, ça m'aurait marqué. Une petite couille bleue orange là. Des petites tumeurs dessus. On s'enfonce dans le tunnel. T'as les murs scintillent. Eh ben... Ah si, effectivement, une découverte. Alors qu'est-ce que ça va être? L'habitat. Oui, on peut faire des nouveaux modules. Ah bah c'est cool ça. On va pouvoir se barrer, on va avoir chacun notre base. Ouais, super. Comme ça, chacun chez soi et Dieu pour tout. Voilà. Ah bien, et ça demande que deux composites en plus. Hein. Ouais, mais autant te dire. Je crois que j'ai ouvert un tunnel qui va dans une grotte. J'ai ouvert une bouche de l'enfer et j'ai ouvert sur le monde des molosses ténébreux. Ah oui. Comment je fais? Bah, tu je vais chercher les toilettes, hein. T'es où en fait? Parce que je sais pas du tout dans quelle direction tu te trouves. Ah ouais, je te vois, t'es là. Bah, je peux partir loin, hein, mais je crois que j'ai réussi à faire une petite grotte sympathique. Bah viens, je viens avec toi, j'ai plein de place dans mon inventaire. Eh bien, viens avec moi. Allez, viens. Viens me lapin. La Batcave me dit, putain, une cave de ouf, en fait, c'est la Batcave. Bah oui, c'est une cave de ouf. Merci, Tony. Oh putain. Hello, coucou. Hello, coucou. Hello, coucou. Hello, coucou. Ah ouais. Wow, je slide. Wow, putain, je... Mais il est parti. Wow, putain, attends, il y a un trou. Oh, par contre, il y a vachement de cuivre en bas. Mais t'es parti où? Bah, je suis tombé dans le trou d'un que t'as creusé. Hein. Mais c'est pas ça que j'ai creusé. Ah bon? Mais pas du tout. Mais qu'est-ce... Bah bien, ouais, il y a plein de trucs, si tu veux, il y a du cuivre là-bas. Non, j'ai fait un tunnel, on va dans mon tunnel. Oh. Pardon. On va dans mon tunnel, non, mais je veux dire, tout bien, tout honneur. Tiens, pose des relais, toi. Ouais, parce que là... pose des relais, Larbin. Je vais les poser sur le plafond, ça va être stylé. Ouais, bah... C'est une bonne idée. Ça va être stylish. Ah, on... Vie, que... ah ouh, on peut s'enfoncer plus profondément, enfin, je crois. Ah non, pas du tout, c'est juste un trou. Il y a encore un truc de recherche, par contre, c'est peut-être des trucs de recherche, là, non? 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 Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je prends un petit peu d'oxygène de rab. Ouais, moi aussi, j'en prends un peu, parce que... L'oxygène gazeux. C'est pas une grotte? Ah oui, mais non. Ah, j'ai plus de relais, putain. Bah oui, parce qu'il nous faut des composites et on a plus de composites. C'est ballot. Ah, il y a une petite couille verte là, mais on l'a déjà faite celle-là. Ouais, ça va juste nous donner des ingrédients. J'ai des gros bugs d'affichage, tout ça. Tu feras attention, il y a des. Il y a plein de kiwis de l'espace là. Ouais, et puis il y a des trucs qui pètent aussi, accessoirement. Il y a encore un kiwi de l'espace. Plein de kiwis de l'espace. Là, il y a de l'oxygène que je vais prendre aussi, parce que comme du coup je suis plus raccordé. Ouais, je fais pareil. On n'a pas le choix, je vais prendre un petit peu d'énergie de rab aussi. Sinon, je vais pas me sentir bien. Putain, mais les composites se raréfient. Pourquoi tant de haine? Bah oui, les gars. Mais y'a que des matériaux à la Marmol's Hop. J'ai vu un pylône d'oxygène au cas où. Ok, moi je suis sorti pour voir si à l'extérieur il y avait ouais, pas non, des mais choses. Je te follow. Donc, tu vas voir qu'on va encore se perdre. Non, c'est à gauche, tout droit, encore à gauche et après tout droit. Y'a un biome, y'a un carré vert là, t'as vu? Y'a un carré vert. Tu vois pas le sol? Non. Ah bah dans mon écran il y a juste le carré sur lequel je suis là qui est vert. Dans tout le reste est bleu et rose. Attends par contre moi je suis à 50% d'oxygène, va peut-être falloir arrêter de faire les cons là. Ouais bah on va revenir vers la base. Vite, alors on va revenir par la grotte. Vite. Il y avait de l'oxygène. Vite. Ça y est je slide. Tout va bien. Peut-être. Oh c'est trop stylé, j'avais mon pied sur l'aspirateur. J'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Je crois qu'on est beaucoup trop loin pour récupérer de l'oxygène. Oh putain. Là y'en a un peu, je vais en prendre. Ouais, puis moi je vais me faire foutre. Oh putain. Mais ouais, mais je vais encore mourir. Vas-y, aspire à droite. Mais j'ai rien à droite là. Ouais, mais j'aurais pas le temps d'y aller. Mais juste à la putain, mais juste à la droite de la porte là. Mais y a pas dans mon écran. Merde. Et en plus, je peux pas là-bas. Vite, faut que j'utilise la technique du slide. Vite.
Oui, ouh, je me suis sauvé le cul là. Ouh. Bon, bah, faut réussir à rentrer à la maison parce que là, c'est un peu risqué notre histoire. Et ouais, c'était super risqué là. Ça se trouve. Du composite que je vois là-bas. Oh, si c'en est, putain. Ah ouais? Bah, du composite. Ouais, là-haut. Putain, t'as l'œil, mon champion. Bon, par contre, faut vite que je rentre là parce que je vais pas bien. Allez, donnez-nous de l'énergie, il y a plein de petites couilles, on s'en fout. Bah, de toute façon, il suffit de se raccorder là. Hein. Ah, bah voilà, on a un raccord juste là, tout va bien. Bah, oui. On était pas si loin en fait. Bah, non, on est presque au sol. Niqué pour rien. C'est juste qu'on a toujours pas de composite à la con, mais. Bah, j'en ai un moi. J'en ai même pas. J'en ai même pas stock entier, putain. Putain. Shit quoi. Putain, dire qu'avec le buggy, on en avait trouvé plein. Bah, oui, mais bon, le buggy, on l'a perdu. Bien, on dirait qu'on a perdu notre jouette. Ouais, c'est très bien perdu mon jouet. Oui, je re-slide sur mon aspirateur. Bon, je suis bien là. Oh, d'hydrazine. Bon, je le prends, même si je suis toujours pas bien sûr de quoi ça sert. Mais moi, je suis persuadé c'est pour la navette. À mon avis, c'est le seul truc qui a besoin de combustion. Métavique. Ah, putain, vite. Non, mais je pense que ça se trouve, il y a juste aussi un module. Tout simplement, que tu peux mettre un peu comme le générateur qui utilise du l'organique, tu vois. Oui. C'est pas faux. La base est juste là, dis donc. C'est pas faux. On a une tempête qui approche. Ouais, ben on va rentrer à la maison. Tempête qui approche. Ouais, non, mais moi j'aurais pas le temps, alors. Je me creuse-toi un trou. Non, je me creuse pas un trou, je me creuse une super caverne. Ah, cof cof. Ah, ah, mais dis donc, mais j'ai volé là-haut. Ah, j'ai une idée, je vais creuser un tunnel jusqu'à la maison. En suivant le raccord. Voilà. Bon, je vais continuer, hein. Je creuse un tunnel en fait, et comme je suis sous les câbles, je reste raccordé. C'est malin, hein. Ah, toi t'es malin, hein. T'es un petit malinois, toi, hein. Sauf que je génère plus assez d'énergie. Ça recharge trop lentement. Dans le doute, je vais me cacher là. On n'a pas ce qu'il faut pour générer de l'énergie en pleine nuit encore, hein, facilement. Si notre éolienne ne fonctionne pas. Là, il y a eu une tempête, mais je pense qu'elle ne fonctionnait pas quand même, parce qu'elle devait être grippée du coup, puisqu'elle a pas servi. Elle a rouillé sur place. C'est de loose. Bon, c'est bon, je peux sortir de ma mini. Oui, c'est bon. Je peux me casser. Ah, tu nous auras pas cette fois-ci, maudite tempête. Bah, elle est terminée la tempête, hein, si tu veux savoir. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai dit ça en même temps, hein. Tu sais, sinon je. J'aurais dit. Bon bah tout l'hydrazine je vais le balancer. Putain mais c'est la loose du composite, il faut vraiment qu'on trouve des composites. Je suis un peu déçu par le stockage hein, quand même, tu peux. Moi je pense qu'il faut que tu essaies d'arrêter de créer des trucs dont t'es pas sûr au début. Bah ouais mais je veux tester, ça s'appelle de l'exploration scientifique un petit peu tu vois. Ouais mais moi je pense qu'il faut qu'on en parle avant. Je pense qu'il faut qu'on délibère maintenant durant tes choix. En fait on va te mettre sous curatelle, tu vois. Ah putain, mais j'en ai trouvé plein de composites là-bas. C'est vrai? Ouais. Eureka! Masse, oui. Composite, masse, composite, wesh. Wesh gros, deux stacks même. Ouh, deux stacks. Enfin, deux... Eh, ça rigole plus là. Hein. Deux gisements, quoi. C'est le terme que je cherchais vraiment. Donc on fait pour récupérer... Ouh là là, je me fais plein de petits stacks de composites. Qu'est-ce que je suis que ça? C'est la joie. Oh là là, j'ai toute l'endorphine qui coule dans mon corps avec en récupérant toute cette putain de composite que je fais me gaufrer. C'est dégueulasse. Un petit peu d'énergie, je me raccorde. Pourquoi pas t'essayer d'aspirer, pourquoi? C'est rigolo. Dirais que c'est d'aspirer mon zizi. Mais ça va pas, t'as un problème toi avec les aspirateurs, faut qu'on parle. Et là je crois que j'en ai vu ailleurs aussi. Comment s'appelle ta copine? Bah, Dyson, en fait, pourquoi? Non, comme ça. Ah oui putain, mais il y en a plein là. Mais oui. Ah, y'a un gros gisement! On dirait qu'on a fait une recherche archéologique. Ah, mais je peux te faire tomber comme un connard en plus. Mais non, fais pas ça, c'est pas gentil. Mais si, regarde. Merde, je m'entends, moi tout ça. Ah, je contre, j'essaie de contrer! Oh. Au revoir, je pars. Ah! Oh putain, merde! Mais un peu. Je chute! Ternip, ça va? Non! Oh mais... T'es mort? Non, ça va. Ah, ouf! Comme ça, je pourrais recommencer à torturer. Ah bah j'ai trouvé du... Mais en fait c'est un mal pour un... Ah mais le problème c'est que j'ai plus de place dans mon inventaire. T'as trouvé du composite?
Non, j'ai pas trouvé du composite, j'ai trouvé de faire de l'alu en fait. C'est cool, hein. Bah attends, moi comment je vais faire pour descendre sans mourir par contre? J'ai entendu un Oui, mais c'est le fait de se scratcher comme une merde, ça veut pas dire que je suis mort. Comment ça va, je suis descendu assez en douceur. Ouh, il y a le taquet de composite. Voilà, le truc qui pète, c'est bon, c'est terminé. voilà, De donc je vais revenir à la l'hydrazine. base d'ici, déposer tout le composite et revenir chercher mes carbones. Hop là, on fait attention à tout ça. Si je trouve la base, elle est là-bas. Allez, le Ah mais oui, mais je m'en souviens de cette caverne. Allez, le composite, là, faut tomber dans ma besace, là. Hein. Tomber dans ma besace. Parce qu'il y en a quand même. Il y en a quand même pas mal. Alors je vais mettre. Ouais, putain, mais Merde, je vise pas merde. correctement aussi. Putain, mais j'en chie marre. Mais qu'est-ce qui se passe? Si, t'arrives. Non, je bug. Tu bugs? Et je vais aller poser. Putain, mais encore une tempête. Et je te confirme que l'éolienne, elle est pas motivée à bouger. Hein. Je la regarde, elle a l'air un Je peu la regarde, désespérée. elle se fait les ongles, quoi. Rien à voir là. Là, Il mais y tu a l'autre qui regarde, ça vois, bat les steaks. moi je suis pas une éolienne comme ça, tu vois. Moi je fonctionne pas comme ça, tu vois, sur commande, hein, Non, je soutiens non, ouais, tout je suis pas. bêtement. Non, mais je te jure que l'éolienne ne sert à rien, quoi. Ah Mais oui, hein. quel est le concept conceptuel? Ouais, ça, je veux bien te croire, mon Lupio. Mais attends, tu vas pas me croire qu'il n'y a pas de vent, il y a des cailloux qui se volent dans ma gueule à 650 km/h et tu vas me dire que ça souffle pas assez fort pour que tu tournes. C'est quoi ce bordel, Janine, là-haut? Y a un truc que j'ai pas compris là sur l'éolienne. Peut-être qu'il faut pas le mettre sur. Faut le mettre sur une base de. Je sais pas. Non, mais je comprends pas du tout le délire de l'éolienne là. Ah, essaie de lui parler, peut-être Je que. viens de mourir du coup, tu vois, tellement je. Ok, bon, bah, l'éolienne ne sert à rien, hein. Ou alors j'ai pas compris comment ça. Putain, je me fais caillasser la gueule. Pim pim pam. Ah, par contre, ça, il faut vraiment que Laissez-moi ce rentrer truc. ici, merde! Voilà. Laissez-moi. Bon, putain, mais. Oula, je vais faire gaffe, je vais rester dans mon petit Mais truc. les cailloux, ils. Je sais pas, ils font des rebonds et tout, ils me tuent en trois bandes. Les gars, ils sont trop bêtes, Ils ils sont trop billards. font du billard sur ta gueule. La 8 en 3 bandes. C'était C'est qui la Dermip en 8? Bah, deux c'est toi, bandes. Dermip. C'est ça. Pourquoi mon personnage avance sous terre comme il était en plein milieu de la tempête? C'est ridicule. Je crois que mon personnage essaye de trouver une vocation dans le mime. La Ça s'appelle tempête. le vent qui souffle, la fenêtre. Ah putain. Je vais retourner et récupérer la térite là parce que c'était plutôt cool. Il y avait plein. Alors, est-ce qu'il reste encore un peu de composite là? Il y a moyen que je gratte encore? Voilà. Bon, bah bonne nouvelle, j'ai Soir. réussi à me faire 4 composites. Nickel. 4 stacks. Et je suis pas encore mort. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le moment. Ah putain, pas assez d'énergie. J'ai fait un stack de latérite supplémentaire, mais en fait, il en faut pas mal avant de pouvoir faire des stacks intéressants. Mais ce truc-là, je vais le mettre sur mon générateur. Putain! Bon bah les Il est pas gars, moi où? en attendant, hein, je vais faire une Robin cave. Vu que la Batcave ça vous a pas plu sur ça, je vais faire une Robin cave. Allez, c'est parti. Ah, je suis en train de dire des conneries du coup, je suis en train de Ah, du mourir. cuivre. Vite, énergie de merde. Ah non, je suis passé à travers. À travers quoi? À travers le plancher. Oh mais non, c'est relou ça. Ah, puis j'ai l'oxygène. Ah, puis le jeu me troll. Je suis juste en phase d'oxygène. Bah voilà. Ah, je suis. Ah, merde, mais non, mais tout le composite, non! T'es mort? Ben ouais, j'ai traversé le sol. C'est ballot ça. J'étais lancé à faire ma Robin cave quand soudain, je me suis fait Parce que le happer jeu il par le dit stop, sol. arrête, arrête avec l'architecture. Voilà, c'est ça, stop. Même le jeu, tu sais, il est en mode non, non, arrête. Arrête de me terraformer comme tu le fais. Mais allez, laisse-moi faire. Non! Si! C'était où le espèce de. Avec un peu de bol, je vais peut-être réussir à retrouver mon cadavre, on sait pas. Bah, je crois que j'ai retrouvé. Grosse explosion que je suis en train de faire là. Alors, est-ce que. Mais y'a un macabé là! Ah, c'est peut-être le mien! Mais il y a plein de compos. Mais qu'est-ce que c'est que tout? J'ai l'impression que c'est tous les compos de notre base qui sont passés sous terre.
Ah mais c'est peut-être mon cadavre là qui est mouru. Mais c'est pas... Parce que normalement ton cadavre il y a juste le sac à dos en fait. Et là il y a quoi? Là il y a tout quoi. Ouais mais là, comme tout ça... répandu sur le sol. Comme ça a bugué, ça va peut-être marcher. Mais si, mais il y a notre lithium et tout. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Putain, tous mais... les composants qui étaient à notre base, ils sont apparus là, sous terre. Ah bah c'est génial. Mais non, c'est pas génial du tout, parce que j'ai aucune idée d'où je suis, moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce let's play? Il y a des voleurs de composants, mais tout s'explique maintenant. Mais putain. Bon, faut gérer, refaire le... Alors, je vais essayer de trouver une sortie, du coup. Ah, parce que t'as fusionné avec le sol, toi aussi. Non, mais en fait, j'étais sous terre. Mais je suis vraiment loin de la base, comment les objets ont pu arriver jusqu'ici? Putain, ça me fait tellement chier que mon cadavre... Putain, je puisse pas récupérer mon cadavre. Oula. Ah bah merde, bah voilà, je suis mort comme un caca. J'ai chuté face à un gros truc qui fait des pets. Est-ce que je suis au moins près de la base? Oui, t'es... Ah, on est pas loin de la base, effectivement, mais en fait, tout est passé à travers le sol. Et où est-ce que t'as trouvé ça, là? Bah là j'ai fait un trou, là faut que tu descends, tu vois. On va y aller tous les deux parce que j'aurais besoin de ton sac à dos aussi. Ah bah ça tombe bien vu que je suis mort, il est tout vide. Comme quoi? C'est la fête. Comme quoi, hein? Ouais, on peut lancer, hein. Alors attends, hop. Tiens, je récupère des rallonges quand même. Un problème de poubelle, il doit y avoir un trou dans notre poubelle. Il doit y avoir un trou dans notre... Ah bah merde, elle a une fuite notre poubelle. Ah bah oui, on... Mais c'est trop ça. Il y a plein de composites. Oh, mais ça c'est ce que j'ai ramené tout à l'heure. Ah. Viens avec moi. Je te follow. Putain, ça se voit, on a trouvé l'endroit où nos cadavres sont lorsqu'on traverse le sol. Ça serait... Merde, j'ai deux trous par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est lequel trou qu'il faut prendre là? Ouais, c'est celui-là. Ah. Oh putain, la vache, mais oui! Et là, tout est là, le lithium que je voulais tout à l'heure et tout. Oh putain, mais c'est trop bien! Waouh, la vache, tout ce truc! Mais il me semblait bien qu'il y avait tous nos compos quelque part, mais attends. Putain, mais. C'est trop bien. Mais je te dis, il y a un mec, les gars ils se prennent pour les rapetous dans Picsou quoi. Ils essaient de creuser sous notre fort pour nous piquer nos pieds-pièces. Putain mais c'est ouf ça. Alors ça... Sortir. Et là-bas il y a plein de latérites pour faire du... Oui bah alors attends, je vais remonter parce que mon oxygène se raréfie. Faudrait faire un petit lien. Oh putain. Mais par contre tu peux pas remonter dans ce bordel. Et putain de bordel de merde! Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de regrimper, mais j'en suis. Moi j'avais réussi à grimper, moi. Bah oui, bah écoute, moi pas. j'ai des pieds crochus aussi, c'est pour ça. Ouais, et beau. T'es pied beau. Je suis un hibou, j'ai pas un pied beau. Ah pardon, j'allais dire t'es un pied beau. Ah, c'est pas du bien. Attends, je vais créer. Enfin, du coup, je vais faire un lien qui nous ramène jusqu'ici, quoi. Je crée quelques rallonges. Du coup, je vais pouvoir faire une batterie, et ça, je suis assez content. Ah, la fameuse batterie. Bon, on a décidé qu'au conseil, t'avais le droit de créer une batterie. Ah, super, le conseil s'est réuni. C'est ça, moi et mes... moi et mes autres personnalités dans ma tête. Je peux te dire qu'on est plus nombreux que ce que tu peux croire. Après, je pense que je vais être extrêmement déçu par la batterie, comme à peu près tout ce que j'ai construit depuis le début de ce putain d'esprit. Oh non, je pense pas. Je pense franchement, tu vas bien t'entendre avec, ça va être un peu compliqué au début, mais après, je pense que ça va se faire. Ah, tu peux mettre comme ça le stockage à plat aussi, c'est sympa. On va le laisser comme ça, le stockage. Ça peut être utile. Merde, je me suis trompé de trou, évidemment. Ah bah la batterie, elle se charge direct dans la fonderie, quoi. Je me suis trompé de trou. Voilà. Ah, par contre, elle stack, mais taquée de barre. Bah tu vois. Qu'est-ce que je te disais? Ça allait être utile. Oui, bon, je suis slide. Je suis content. Je suis très content. T'es très content? Putain, les petits, petits dérapages là. Bon. Je vais essayer de Bon, bonne nouvelle. Grâce au trou que t'as fait, en fait, il y a vraiment une vraie grotte. Donc il y a plein de trucs à récupérer. Et dont de l'aluminium. Et ça, c'est quand même sympa l'aluminium. Parce que c'est assez rare. Il faut beaucoup de. Yeah. Voilà. Ah mais non merde, putain j'ai rajouté des... Bon c'est moche les amis, mais là en même temps je suis pas là pour l'esthétique, donc Bon voilà. Rien n'est fait. Bon mais regardez, il est plus sûr de lui à cause de vous, vous me l'avez tout choqué, maintenant il est plus confiant sur lui, même pour creuser des trous... J'ai un doute maintenant, mais regardez ce que vous poussez à faire. Sauf quand il s'agit d'en sauver ton épée. Ça par contre j'ai une confiance... Non, arrête absolue. C'est méga chiant. Je suis en train de récupérer de la latérite, c'est un travail d'une précision extrême. Bah non, je t'ai aidé à creuser, regarde.
Tu vois, au final. Il en faut vachement pour pouvoir faire un stack, je trouve. Ouais, c'est pas faux, pas faux. Bah, comme tous les matériaux intéressants, regarde, t'as du composite en haut. Ah! Tiens, un truc a fait un bruit, il a fait. Bon. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est parce que toi tu as réussi à faire des stacks, je suppose, ouais, c'est ça. Ouais, bon, et puis... il tombe une petite pochette. J'ai installé un mode sur mon aspirateur, il fait des bruits quand il aspire. Il y a pas mal de modules de trucs de recherche aussi. Tu sais, t'as une voix, la méthode Coé, tu sais. Tu es le meilleur! Ouais, je sais, je sais. T'aspires super bien! Ouais, je sais. Bon, bah, de toute façon, les amis, je pense qu'on va arrêter notre petite vidéo. Il y a du cuivre, on a trouvé taquet de matériaux. Non, mais là, c'est bien, on a trouvé une petite grotte fort sympathique. Pas loin de notre maison. Pas loin de la maison. Oh, 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 pas d'énergie. Bon, là, je fais n'importe quoi. Il est peut-être temps que je... temps que je mette fin à la vidéo, mon tuteur, parce que c'est déjà le temps. C'est déjà le temps. Écoute, c'est le temps. Donc on va remonter à la surface pour que tu sauvegardes quand même. Il faut pas déconner. Pour vider mon inventaire. Ça, oh putain, par contre, il y a un gros truc qui fait chier là. Hop. Bon bah on a récupéré un masse truc hein. Ah, par contre ça je peux pas récupérer. Ah si, ça j'ai pu récupérer. À la poubelle. Et attends, je récupère 2-3 trucs. Oh putain d'énergie de merde. Pourquoi je suis Keblo là? Pourquoi j'avance à deux pas à l'heure? Ah! Plutôt que... Oh, si putain. Je mettais le stockage... Ah non mais en fait le stockage ça a un petit intérêt de le mettre sur les... par exemple sur la fonderie. Oh. Comme ça, ça tu peux en faire fondre plein et ça va en stocker plein quoi. Ah bah tu vois finalement. Ouais ça a ce petit intérêt parce que tu peux ouais, le modder sur les... Sur les trucs hein, sur les... Sur la fonderie... Oh putain, j'arrive pas à... Et là du coup si je fais les 4, est-ce qu'il le met directement dessus? Ouais, ah c'est pas mal, du coup à la limite je pourrais limite en faire un deuxième... stockage. Oui, enfin calme-toi au bout d'un moment. Ah non, c'est bon, je suis lancé là. Mais tu vas faire, que des trucs de stockage. Ah bah ça commence à se remplir notre petite... Ah mais c'est même encore mieux que ça. Parce que regarde, tu peux transporter le stockage avec les matériaux dedans. Ah ça par contre c'est pratique. Mais alors oui, non, alors, maintenant le stockage c'est vachement bien sur des véhicules en fait, sur un camion. Bah oui. Parce qu'en plus ça pile la forme et ouais, c'est ce qu'il nous faudra ouais. C'est ça, on fera un camion, des balises et on partira les copains à l'aventure. Et oui. On aura dû nous force ça. Donc bah voilà, nous avons trouvé notre objectif pour le prochain épisode. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis bah nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les dopidop. Et ciao.